viel zu schmutzige Neger hier bei unserem weißen Beschwerden, bei unserem weißen Beschwerden. Und sie brachte ihn beim Fragen und sie warf ihn in den Wagen hinunter auf den Land. Alors, c'est un projet européen qui réunit donc 21 partenaires de 12 pays de l'Union européenne, des États membres. Et parmi ces partenaires, nous avons à la fois des partenaires musicaux, puisqu'il s'agit d'un projet dont la musique est le centre, bien sûr, mais on a aussi des partenaires, investis dans la vie civique et dans la réflexion sur la citoyenneté. Et nous avons des partenaires aussi universitaires, etc. Donc ça couvre plusieurs champs, à la fois du savoir, de la culture, et ça nous permet de réfléchir autour de la musique, qui est donc, je répète, le centre de la chose, de réfléchir comment, jusqu'à quel point cette musique est le symbole d'une communauté de pensée européenne à laquelle nous nous rattachons tous, c'est-à-dire quelles que soient nos différences nationales, et surtout, quelles que soient nos différences, j'allais dire, d'éloignement, en quelque sorte, géographique. Donc ce projet aujourd'hui est particulier pour nous. D'abord, c'est la première collaboration avec le lycée français de Vienne, qui est pour nous un des partenaires de la francophonie à Vienne, un acteur majeur, et nous on le voit en organisant nos conférences à Vienne, on a beaucoup d'anciens du lycée français. Donc on est vraiment ravis de cette collaboration avec le lycée français et les classes de M. Pompecave. C'est notre première participation en tant que jeune association à un projet européen d'envergure, et ça on est vraiment ravis, on remercie le Forum Voix Étouffée. Et on vient d'apprendre il y a quelques jours que ce projet bénéficiait du soutien du staff, donc le soutien au tissu associatif français à l'étranger. Et donc on est également soutenu par le staff. Alors je me suis engagé dans ce projet parce que je le trouve déjà très intéressant. Je trouve que c'est une manière d'aborder la Seconde Guerre mondiale, la politique d'extermination nazie, d'une manière originale et sous un angle très pertinent, je trouve, parce qu'on l'aborde très souvent de manière traditionnelle, de manière très factuelle. Et là, de l'aborder par la musique, c'est une autre ouverture. Et je trouvais que pour les élèves, c'était aussi très intéressant parce que c'est une période dont ils ont déjà entendu parler. Je trouvais que c'était très bien de mêler cette approche musicale. Et comme je suis moi-même un peu musicien, donc c'était aussi un moyen de mêler l'histoire et la musique. Alors il s'agissait tout d'abord de classes de première, donc il faut savoir que la Seconde Guerre mondiale n'est pas au programme de première, mais je trouvais que c'était un bon moyen de les introduire à cette question qui apparaîtra donc dans le programme de terminale. Et donc la semaine dernière, nous avons utilisé une heure d'éducation morale et civique. Donc pour présenter justement cette politique d'extermination, la progression dans la politique d'extermination, donc de l'arrivée d'Hitler au pouvoir de 1933 et de l'ouverture du premier camp, donc à Dachau, jusqu'à la solution finale 1942, puis donc jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, donc ça a été assez factuel, hein, bien sûr, et puis ensuite on a déchiffré un petit peu la partition de l'hymne de Buchenwald, avec un élève qui joue du piano, et donc ça a permis de travailler avec eux. Ce concept en fait de culture et du rôle de la culture dans la société et du fait qu'elle est absolument indispensable pour arriver à créer au sein même de l'Union européenne et entre les citoyens européens des liens suffisamment forts pour qu'ils considèrent que l'Union européenne est ce que tout nous démontre maintenant, et non pas seulement une porte de sortie, mais une porte d'entrée vers l'avenir. Musique.
was ungezogenes spricht, dann hol ich meine Kaktus und der Stich, Stich, Stich. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. 100 Jahre.